précédemment dans Chef à bord. C'est très très chaud. On va faire au mieux. C'est vraiment chaud bouillant. Utiliser tous les ingrédients du panier garni et nos candidats avaient droit à prendre comme ça 2-3 éléments. On vérifie le chrono. 4, 3, 2, 1, c'est fini, on lève les mains, on lève les mains. Alain Beaune, avec l'ensemble du jury, je vais vous laisser goûter, c'est à vous. 30 minutes, on a à peine commencé que c'est déjà terminé, donc c'est vraiment chaud bouillant. J'ai failli faire brûler les légumes, mais c'est passé de justesse. Et là, les blancs de volaille manquent un tout petit peu de puissance. J'ai trouvé que 30 minutes, c'est très 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 court. Ils étaient 50 candidats au départ, 10 sélectionnés pour participer à la 4e édition de Chef à bord. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est quels sont les 5 candidats qui vont continuer l'aventure, que vous découvrirez dès la semaine prochaine dans les demi-finales. C'est au président, à Fernand Michler, de donner déjà le premier gagnant. J'appelle donc Leïla et Jonathan sur cette scène. Vous avez fait du beau travail. Jonathan a très bien commencé sa petite mise en place, je dirais. Leïla avait un peu plus de mal au départ, mais ensuite ça s'est compliqué pour Jonathan. En tout cas, c'est vous qui continuez l'aventure. Bravo à vous. C'est Leïla. Alain, vous allez maintenant donner le nom du gagnant. Nous appelons Alexandre et Romuald. Romuald, le montage, tout ça, c'était plus élaboré qu'Alexandre, mais c'est Alexandre qu'on va retenir. Émile Young, c'est vous qui allez choisir celui qui va continuer l'aventure entre Michael et Aurélie. Michael, bon, il m'a épaté par son travail ouvragé, accompli, abouti. Et c'est vous que je retiendrai pour continuer cette compétition. Il reste 2 places pour la demi-finale. C'est Jean-Louis qui allait donner le gagnant entre David et Nadia. Nadia, vous nous avez rehaussé d'une saveur exceptionnelle votre prestation, donc forcément c'est vous qui l'emportez. Le 5e candidat qui sera de l'aventure entre Marine et Elodie, c'est Fernand Michler, notre président du jury chef à bord, qui va donner le nom. Ça se jouait à un demi-point près, c'est Elodie qui l'emporte. Alors nous avons à présent nos 5 candidats, on le voit, ils ont la banane. Vous serez peut-être le chef à bord 2014, mais on a un petit souci quand même, c'est que pour faire des battles, il faut un chiffre pair. Et le jury a décidé de repêcher l'un d'entre vous. C'est Jean-Yves qui vous a suivi durant toute la semaine. C'est Jean-Yves qui vous a vu travailler. Donc voilà, il y en a un qu'on a repêché. Donc c'est déjà très dur, c'était pas évident. Il y a eu des choses très intéressantes. Ça se joue vraiment un tout petit point. C'est Marine qui va continuer l'aventure. Voilà, Marine qui est à mes côtés. Ce sont les demi-finales qui vous attendent. Ça sera sur notre antenne, sur Alsace 20, à partir de lundi. La semaine prochaine, retrouvez les candidats de Chef à bord saison 4 qui s'affrontent dans les cuisines des grands chefs alsaciens. Cette année, ils cuisineront un panier qui leur sera donné par les membres du jury. Ils découvriront au dernier moment ce qu'ils devront cuisiner. Il ne restera que 3 places pour la grande finale de Chef à bord saison 4. La lutte sera difficile jusqu'au bout. L'aventure ne fait que commencer sur Alsace 20.